Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément panneau. La dernière fois, nous avons parlé des bordures et des rayons de courbure pour les bordures. Aujourd'hui, nous continuons avec d'autres fonctionnalités liées au panneau. Donc, pour cela, on retourne dans les fonctionnalités du panneau. On va parler de la configuration de flèches. Donc, vous pouvez rajouter au fait des flèches sur les panneaux. Et ça aussi, c'est pour créer des effets hein, sur votre site internet. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Je clique activer. Vous avez la largeur de la flèche. Vous pouvez travailler la version mobile. Vous pouvez travailler la hauteur de la flèche. Et vous pouvez changer la couleur. Donc, actuellement, on va mettre une autre couleur. Et vous voyez, on a quelque chose de ce genre, par exemple. Donc, vous voyez la flèche. Je peux changer la couleur de ma flèche. OK. Je veux travailler sur la largeur, je veux augmenter la largeur, etc. Je peux le faire. Je veux agrandir ou réduire la hauteur, je peux le faire. Je veux réduire, je vais aller, je vais travailler sur la version mobile. Je fais ça ici. Ok. Donc ça c'est les flèches, donc c'est pour rajouter des effets hein, sur votre site, hein, sur votre site internet. Peut-être que vous avez mis un titre important là, vous avez dit quelque chose d'important ici, et vous voulez indiquer le sens dans lequel là où les gens peuvent trouver ça. Donc vous pouvez mettre une flèche hein, sur le panneau pour dire que c'est en bas, cliquez sur le bouton en bas par exemple. Ok, donc voilà. Concernant l'élément flèche de votre panneau, la prochaine fois nous allons parler d'une autre fonctionnalité toujours liée au panneau. Pour information, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à développer, à créer votre site internet hein, si vous le souhaitez. Si vous voulez le faire, tout ce que vous avez, allez directement sur notre site internet hein, à faire. Une fois que vous êtes dessus, hein, vous scrollez vers le milieu de la page et vous avez le bouton je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous pouvez créer un compte gratuit. Vous aurez des ressources, donc des tutos hein, pour pouvoir créer votre site internet, aussi des templates, des modèles de sites web que vous pouvez télécharger et l'utiliser pour votre activité professionnelle. Si vous avez des questions ou des remarques, sachez qu'elles sont les bienvenues. Et je vous invite à vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.